Si tu t'es pas arrêté, ils vont te rentrer dedans. Hey, mon frère, si tu t'es pas arrêté, ils vont te rentrer dedans. Hein? Quand c'est quoi, ça veut dire qu'il y a le train qui arrive. Donc il faut patienter. Hein? Ceux qui aiment s'arrêter au milieu là. Très souvent, souvent ça m'arrive aussi. On dit wait here. Lisez bien en bas là. On dit here, wait. Même si le feu est rouge, tu ne dois pas aller en bas du feu là-bas. Faut attendre toujours là où ils ont mis wait here là. C'est pas pour ne rien, ils ont dit ça. C'est là, imagine que tu es au milieu là-bas. Voici, était moi, j'étais au milieu là-bas. Peut-être qu'il allait fracasser les trucs là pour passer. Hein. Aïe. C'est mieux de payer leur bar là, leur bar de fer là, que de rester dans une voiture puis très vite t'écraser. Ou bien qui est fou? Ah, il y a le fond. Et puis moi, c'est un gros camion, donc je fonce dessus, mon cher. Puis après, on me donne un ticket. Puis ils payent les dommages et intérêts. Ouais, King Burger, ceux-là, ils ont des bons burgers. J'ai un peu faim là. Aïe. Pourquoi on nous a fait entendre alors? Regarde les trucs comme ça. Je n'ai vu aucun train. J'ai vu une 4x4 là. Oui, ils sont en train d'essayer les routes. Oh, ils ont perdu le temps à l'homme cadeau. Oh, les nabobiers là. Ouais, je mets chez mon frère. J'ai commandé deux cartes californiennes. Mais c'est pas toute la Californie, parce que vraiment, ça sera une carte qui va remplir peut-être tout le salon de là où j'habite, mais c'est très très large. Donc on a pris la zone où je suis là, voilà, South, comment on dit ça même? Californie du Nord, non, je crois. On dirait c'est Californie du Nord. On dirait c'est Californie du Nord. Voilà, quand tu vois le gars qui sort, lui là, il sait pas bon ce qu'il fait. Cette voie, vous voyez ce qu'il fait, c'est pas bon. Les gens ont fait permis de conduire, mais ils n'ont pas appris la tolérance. Quand tu vois quelqu'un qui est sorti le feu rouge là, il faut le laisser rentrer dans le rang. Hein? Maintenant, vous voyez comment il a garé, puisqu'il pouvait bien garer, mais à cause de l'autre voiture, il n'est pas bien rentré dans l'autre ligne. Et moi, quand je conduis bien. Quand je vois quelqu'un qui est en difficulté, il veut rentrer, le feu est rouge, est vert, est rouge. Donc, tu le laisses rentrer devant toi. 2 secondes, tu vas perdre l'air que tu vas mourir. Donc, c'est comme ça. Voilà. Tout le monde va et puis il y a la paix, il n'y a pas de problème. La plupart des Américains, ils ont des. Lui, il veut rentrer devant moi. Je ralentis, il rentre devant moi. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est ça, là, le fair play. Il faut être fair play dans la vie. Il faut être. Je sais pas. C'est vraiment une barrière, ça ne chauffe pas. Voilà, moi je vais jamais avoir ce qu'on appelle road rage, ou bien quelqu'un va tirer sur moi parce que non. Moi je suis un enfant de pauvre. Il a fait gros bras à qui? Quelqu'un veut rentrer, je le laisse rentrer. Voilà. Quelqu'un en difficulté, je le laisse rentrer. Même si j'ai raison, je le laisse rentrer. Ou bien elle est vraie. Donc je disais que j'ai acheté une carte californienne. Voilà. Une carte californienne. Et j'ai acheté deux cartes. Une pour mon ancien bailleur, l'ancien propriétaire de ma maison, et puis une carte pour moi. C'est cher, 43 000 chacun. Donc ça fait presque 100 000 que j'ai dépensé pour nous deux. Et il dit 1 000, pardon. 43 $ chacun. Donc ça fait presque 100 $ que j'ai dépensé pour nous deux. Pourquoi je le fais? Pour lui. Est-ce que le monsieur là, c'est vrai qu'il a demandé si je pouvais avoir une aussi, c'était bon. Je lui ai dit j'achète pour toi. Il dit non, 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 je vais te rembourser. Il dit non, 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 j'achète pour toi, c'est rien. Tu m'as trop rendu beaucoup de services. Si je te rends ce service-là, que je vais mourir. Voilà, c'est tout. Vous voyez un peu, non? Voilà, malgré que je ne vis plus avec lui. Hein. Et ça, vous comprenez un peu mon discours. Malgré que je ne vis plus avec lui, c'est pour ça, si quelqu'un garde demain mon nom pour dire, oh, lui, là, j'ai fait comme ça, ne le croyez pas. Herman n'est pas quelqu'un qui gâte les amitiés. Herman n'est pas quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Oh, j'ai pris une mauvaise route, là. Non, c'est pas bon. J'ai pris une mauvaise route, désolé. Hein. Voilà, donc ne le croyez pas. Si quelqu'un vous dit, oh, il est comme ça, non, ne croyez jamais. C'est pas moi. Herman, c'est quelqu'un qui sait entretenir les amitiés, les connaissances, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Voilà. Mais il y a d'autres là. Tu le salues, il te répond pas. Tu lui dis, bon, je vais venir chez toi. Ah, je n'ai pas le temps. Ah, c'est comme ça, moi, il te laisse. Hein? Ah oui. Parce que j'ai expérimenté, même ici aux États-Unis, j'ai expérimenté. Vous voyez, les gens pensent qu'après la vie d'ensemble, c'est-à-dire tu as vécu avec quelqu'un ensemble là. Après. Voilà, c'est ça qui est bon chez cette caméra, tu peux retourner. Après la vie d'ensemble, là, les gens pensent qu'il n'y a plus une autre vie derrière. C'est ça que je ne comprends pas certaines personnes. Voilà. Moi, j'ai tenté plusieurs fois. Il y a une famille ici, là.
Je vais venir. On s'en va ici. On n'est pas là. On est... Toi-même, tu sens qu'on ne veut pas te recevoir. Faut pas forcer. Ah oui. Sinon, moi, regardez, là où je suis venu chez mon frère camerounais. Je ne vis pas avec eux. Je ne vis pas avec eux. Je n'ai jamais vécu avec eux. Mais pourquoi, dès la première semaine de ma vie aux États-Unis, j'ai mis pied ici? Et je continue toujours de mettre pied ici. Est-ce que vous comprenez un peu? La maman, la princesse de la maison, c'est-à-dire celle dont, celle qui est la mère de la maison, là, c'est elle que je viens voir. Ce n'est pas mon ami camerounais. Mon ami camerounais, il n'est pas là. Je viens voir la mater pour récupérer mes deux trucs que je vous parlais de ça que j'ai acheté là. Je viens récupérer ça. C'est à leur adresse que j'ai commandé pour envoyer sur Amazon. Puisque même mes abonnés savent un peu ce que je traverse avec là où je suis. Elle veut que je la... Et puis je n'ai pas voulu. Donc ce qui fait que même quand elle veut faire mes choses les plus importantes, puisque ça, si c'est les petites mails ou les petites choses, comme les écouteurs que j'avais commandé, ça, ils commencent à là où j'habite. Mais c'est tellement petit, bon. Mais celle-là, c'est gros. Il peut pleuvoir dessus. Et puis c'est des grosses... C'est map. Comment on dit map? Carte. C'est de grosses cartes. OK? Voilà. Et puis, je ne veux pas que la pluie tape ça, on ne sait jamais. Bon, comme ils ont dit que c'est un trou perméable, c'est-à-dire même l'eau peut venir dessus, je vais voir ça. Mais c'est, mon ami là m'a envoyé le carton. C'est gros comme ça, c'est deux. Voilà, c'est deux dedans, je pense. Donc, les frères, c'est un peu ça. Voilà, donc si quelqu'un vous gâte, ne croyez pas, ce n'est pas Herman. De la manière que vous connaissez Herman sur les réseaux sociaux là. Hein? C'est comme ça, je suis. C'est pourquoi beaucoup de personnes aiment mon affaire. Il y a beaucoup qui sont abonnés à cette chaîne YouTube, qui me suivent. Pas pour avoir visa, mais pour être renseignés sur les États-Unis. Ils sont même déjà ici. Et puis, ils me suivent. Parce qu'ils aiment quelque chose d'autre d'Herman Ivoirien USC. C'est le être naturel. Voilà. Herman, de la manière qu'il parle, quand il n'y a pas de caméra, là, c'est comme ça qu'il parle. Devant caméra. Je ne suis pas dans l'affaire. Non, je ne connais pas le protocole, je ne connais pas tout ça là. C'est Herman Ivoirien USC, ça ne chauffe pas. Donc là, je m'en vais dans les montagnes aujourd'hui. Vous voyez que. Bon, je ne peux pas vous montrer. Okay, je peux vous montrer même. Voilà. Comme je n'ai. Voilà, vous voyez, non? Voilà, je suis en train de couper là. Voilà. Comme je n'ai pas de show de sport. Voilà. Donc j'ai improvisé comme ça. Je m'en vais. Le téléphone est bon, une bonne RAM, 8 Go de RAM, hein, 512 Go de choses. Mais l'image est blanche. J'ai tout fait. Je sais pas comment régler ça. Ce qui va faire que je vais vendre ça, j'ai acheté un autre. Voilà. J'ai envie d'acheter même iPhone. Il y a un gars qui veut me vendre iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max Pro à $600. Mais vraiment, il y a pas l'argent. Donc il y a tout fait pour paramétrer ça là et puis voici et puis utiliser ça là. Je sais pas si ça là l'écran, est-ce que ça la caméra est propre. Je vais voir ça, ça c'est le 6 plus là. Mais en tout cas, j'ai mon ancien téléphone. Mais l'ancien téléphone, mon numéro est dedans, je ne vais plus utiliser pour faire mes directs. Parce que quand on m'appelle, ça coupe mes vidéos, mes directs. C'est pourquoi j'ai besoin d'un autre téléphone. Voilà, donc c'est Herman Ivoirien USC. Si demain vous voyez quelqu'un qui est sali mon nom là, ne croyez pas à la personne. Voilà, et la plupart des gens c'est la jalousie. Un jour quand j'ai changé ma deuxième voiture, il y a une personne qui me dit, mais tu viens d'arriver, tu as voiture que nous, tu aimes te montrer. Je dis non, je n'aime pas me montrer. Comme depuis que j'étais petit, j'ai rêvé de conduire voiture. Moi, depuis que j'étais petit, voiture, ok, c'était pour moi un rêve. Donc, je veux tuer ce côté-là avant d'être responsable totalement, c'est-à-dire avant de me marier et des enfants. Je veux casser ce rêve-là. Et puis, c'est mon argent, c'est moi, il souffre pour avoir. Oh, est-ce qu'il y a un problème dedans? Il y a des gens là, vous voyez, prédit, ils disent non. Non, ça veut dire que tu es trop. Aïe, j'ai acheté voiture, donc je suis orgueilleux. Non, donc vraiment, notre collaboration n'a pas aller loin. Parce que tu n'es pas humble, tu n'es pas fait pleurer, tu es orgueilleux. Pourquoi tu achètes déjà une voiture en 2018? Ah, bon, il a vendu ça, j'ai acheté maintenant 2014. La personne même ne veut plus me parler. Et puis, elles sont nombreuses comme ça dans ce pays et puis partout dans le monde. Vous voyez, il y a certains comportements que Herman n'arrive pas à comprendre. Aidez-moi dans les commentaires. C'est une vidéo improvisée par rapport à... Je pensais que le train allait passer. Gars, c'est la 4x4 qui est passée là. Peut-être que c'est pour vérifier si toutes les roues du train sont bonnes. Parce qu'ici, là, je ne vois pas trop de trains passer comme ça. Tout le monde a voiture. Qui emprunte même les trains, les bus? Vous voyez, ici, là, les gens ont voiture à gogo. J'ai fait une vidéo. Soit vous allez la recevoir avant celle-ci ou après celle-ci. Hein? C'est un coin ici en Californie. Où il y a même parlé de ça à mon frère. Mon frère, lui, il est dans le business de téléphone. Moi aussi, dans le business de voiture. Donc, je vous annonce déjà la vidéo ici. Hein? Les gens font vente aux enchères des véhicules. Vente aux enchères des véhicules. Oh, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire, eux commandent de $100 et puis montant. Quand les gens envoient le véhicule, le commentateur, il va s'en parler en même temps. $100, qui dit mieux? 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500 là-bas. Quelqu'un a dit 600 ici. 600, 700, 800, 1000, 1500 une fois. 1500 deux fois. Pouh, vendu à 1500. Voiture, il dit voiture. La vidéo est là. J'ai arrêté la vidéo avec ce même téléphone que je tiens. Sinon, j'allais vous montrer un extrait. Je vais poster ça. C'est ici en Californie. OK? J'ai l'adresse.
Pour ceux qui sont en Californie et qui veulent acheter une voiture, contactez-moi, ok? Je vais aller prendre une bonne voiture pour vous, ok? Je ne vais pas vous donner l'adresse là, hein? C'est le business, no pitching business. Mais je ne vais pas trop vous voler. Donnez-moi le budget que vous avez. Vous avez 5 000 $, 2 000 $, 3 000 $. Vous me donnez le budget et puis vous me donnez la marque de la voiture que vous voulez. Moi, je m'en vais sur le terrain. Voilà, si j'ai acheté là devant Dieu, je vais prendre seulement 200 $. Parce que c'est mon déplacement et puis le business, puis il y a le risque. Je peux acheter, puis le moteur est mort. Vous voyez, si le moteur est mort, tu ne vas pas prendre parce que j'ai parti. Ils vont tester le moteur. Quand je vais acheter la voiture, je vais aller faire ce qu'on appelle le smoke check. Le smoke check, hein, pour tester tout. J'ai allé voir encore mon mécanicien, va tester le moteur, si le moteur est bon, et puis il te vend ça. Donc, tu me donnes aux environs de miles, c'est-à-dire tu veux 150 miles, 90 miles, 100 miles, combien de miles, combien de budget, ok? La marque de la voiture, l'année que tu veux, tu me fais signe, je m'en vais sur place, je me prends la voiture, je fais les checks, tout, je paye tout pour toi, smoke check. C'est-à-dire, dès que je te donne là, tu t'en vas mettre à ton nom, c'est fini. Tu n'as pas à faire smoke check, tu n'as pas à faire registration, j'ai fait tout pour toi. Voilà. Maintenant, si y a trop bouffé, peut-être c'est 100 $, mais 200 $ de bénéfice. C'est-à-dire, il y a enlevé mon argent d'achat, plus les dépenses que j'ai fait sur les smoke check. Et puis, tu as me donné au moins 100 $. Comme ça, tu as eu un bon troupe. Et moi, je connais dans l'affaire des voitures. Voilà. Je connais quand il ouvre capot, là, qu'on a, il sait que la voiture est bonne ou n'est pas bonne. Voilà. Ça, c'est mon business. Donc, contactez-moi. Je vais vous balancer la vidéo. Vous allez voir un peu. Voilà. Il dit, il y a une Mercedes. Il a filmé pendant, on dirait, 26 minutes le direct. C'était en direct. Les gens faisaient. Voilà, mais ils étaient sur place, moi ils n'étaient pas sur place. Donc pendant 26 minutes, bon, je n'ai pas vu ça là-bas. Bon, vous, ils ont arrêté de fabriquer. Qui va aller vendre ça aux enchères? Donc je n'ai pas vu ça là-bas, ok? Mais j'ai vu à peu près toutes les marques. J'ai vu Mazda, j'ai vu Nissan, j'ai vu même Mitsubishi, qui est trop rare ici aux États-Unis. J'ai vu ça là-bas. J'ai vu une seule Mercedes, l'ancienne Mercedes Pharaon là. J'ai vu Ford, j'ai vu Honda, tout ça, les ont envoyé ça là-bas. Même Toyota, j'ai vu, on a deux ou trois Toyota quand je filmais. Mais je n'ai pas vu FG Cruiser. Voilà. Donc, voilà, c'est avec ça que j'ai terminé la vidéo. Il y a trop de choses. C'est vraiment Ivoire USA. Voilà. Merci. Et désolé si vous ne me voyez pas trop en direct ces temps-ci. Ma connexion Internet est finie. Je dois encore renouveler cela. Donc, on m'a dit d'entendre d'ici demain pour que l'autre forfait soit actif. Parce que normalement, ce forfait-là n'est pas arrivé à son terme. Donc, j'ai cancel, j'ai annulé le forfait et j'ai payé un autre forfait. Vous voyez, voilà. Donc, l'annulation prend un peu seulement du temps. Donc, demain, vous allez voir que je serai bientôt en direct. Donc, je m'en vais chez la matin. Voici la maison. Voici comment ça se présente. Voilà. C'est des condos. Ils appellent ça condo. C'est très bon, un condo. C'est bon. C'est un gros bâtiment avec plusieurs maisons à l'intérieur. Voilà, bon, je ne vous montre pas le quartier ni les détails. On ne sait jamais. Mais c'est juste à quoi ça ressemble. Je suis là. Je vais aller toquer. Et puis salut la matin, je vais récupérer le truc et puis on s'en va dans les montagnes avec le padre. Voilà. Alors comme je rentre dans la maison des gens, on ne sait jamais, il faut se parfumer, il faut se déodoranger. Voilà, parce qu'il fait un peu chaud. Donc un peu de déodorant. Voilà. Quand je coupe la vidéo, je vais prendre cette main là pour mettre dans le vrai moumou. C'est important. Voilà. Je me suis lavé le matin. On va vous dire que je l'ai tué, Kabri. Je me suis lavé, mais. Il faut que quand tu sois au contact des gens, il faut que tu te sentes un peu bon, un peu seulement, hein, les frères, c'est important. Donc aujourd'hui, quand j'ai fini ici, je vais aller me coiffer. Ok, parce que c'est de mon ancien quartier. Bon, mon ancien quartier, c'est l'autre côté. Je vais me coiffer. Je vais laver aussi ma voiture là, parce qu'elle est un peu sale là. Voilà, je vais la laver. Et puis, bon, essayez de vous donner un petit bonus. Hein? Admirez ce petit bonus là. Voilà, on est ensemble. Bonus. Voilà, ici, par ça aujourd'hui. Je suis venu laver ça, les frères. On va mettre un peu de clim là. Je suis venu laver ça parce qu'elle est très sale. Et puis je suis paresseux. Elle est tellement balèze. Je n'ai vraiment pas envie de laver ça moi-même. Voilà, je n'ai pas envie de laver ça moi-même. Elle est trop balèze. Bon, il y a des gens qui m'ont dit que c'est pas conseillé pour la peinture parce que les trucs là. Ça joue un peu sur la peinture, mais je suis paresseux. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était votre bonus. Voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent avec le pouce bleu, avec les commentaires d'encouragement. C'est pas facile, mais on va faire comme on se bat. On se bat. Bonne chance à tous ceux qui ont introduit les dossiers de DS260. Bonne chance à vous. Que Dieu fasse que vous puissiez avoir votre interview et votre visa. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu bénisse vos activités.
Dieu fasse que vous soyez toujours plus que vainqueur. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Jusqu'elle est très sale et puis aussi paresseuse. J'ai pas mis de laver voiture aujourd'hui là. Elle est très grosse. Donc juste essuyer les pneus, faire les petits retouches et puis je me casse ma faute. Voilà. Donc merci. Portez-vous bien les frères. Et soyons toujours humbles, sages, sachant ce que nous voulons. Ne vivons pas en désordre. Voilà. Ne vivons pas en désordre. Et puis voilà. Que Dieu nous bénisse, hein. Voilà, donc je m'en vais maintenant garer, je vais retoucher ça un peu, et puis je vais partir. J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, je m'en vais dans les montagnes, c'est occupé, là. Partout est occupé. Je m'en vais dans les montagnes aujourd'hui, mon frère. Je m'ai couru avec le propriétaire de la maison où je vivais, là. Ok, la terre est serrée ici, là. Tout le monde est venu laver sa voiture aujourd'hui, il n'y a même pas place. Merci, portez-vous bien.